Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier la relation d'un contact lié à un autre contact. Je vais donc dans Prospéno au niveau de l'appli mobile, je clique en bas sur le menu contact et je sélectionne mon contact principal. Vous voyez que sur William Harvey, si je descends un peu plus bas sur ma liste, j'ai un petit combo qui s'appelle contact lié. Vous voyez qu'ici, j'ai donc un contact qui s'appelle Nestlé. Et là, ce qui va m'intéresser, on voit que le type de relation ici, c'est un client-cliente. Et moi, ce qui m'intéresserait ici, c'est de modifier justement le type de relation, c'est-à-dire qui est Nestlé pour William Harvey. Je vais par le jeu d'un glisse, enfin de ce qu'on appelle un swipe en anglais, donc c'est-à-dire que vous laissez votre doigt sur le nom Nestlé et vous allez aller soit sur la gauche, soit sur la droite. Là, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller hop sur la gauche pour faire apparaître mon bouton modifier. Je clique sur modifier. Et vous voyez que là, ici, on va juste pouvoir modifier la relation qui est Nestlé pour William Harvey. Je clique sur client-cliente et là, je vais prendre n'importe quoi. Je vais prendre, je ne sais pas moi, agent commercial. Voilà, et je fais enregistrer. Donc, on vient de changer la relation. Je n'oublie pas de cliquer en haut à droite sur lier. Et vous voyez que maintenant, Nestlé a un type de relation de type agent commercial. C'est-à-dire que Nestlé, ce qui est peu probable, dans mon test en tout cas, mais que Nestlé est donc un commercial pour William Harvey.